Ouais, c'est bon. Que se passe-t-il avec Christine Boutin? Depuis son éviction du gouvernement, elle ose tout. Déjà le lendemain du remaniement, elle s'était un peu lâchée sur François Fillon, mais là, elle vient carrément de traiter Martin Hirsch de peau de hareng. Essayons d'en savoir un peu plus. Ben, ouvrez-moi. C'est l'infomane, Canal+. Non, ça n'ouvre pas. Là, ça ouvre. Dis donc, elle est pas rancunière, Christine Boutin. T'as vu qu'il y a des photos de Nicolas Sarkozy? Donc, comme ça, vous traitez Martin Hirsch de peau de hareng? Non, écoutez, oui, je l'ai traité de peau de hareng. Pour moi, c'est l'insulte suprême, vous savez. Oui, parce que Martin n'a pas été un collègue très correct. Et je trouve que ses dernières sorties sur le financement des élèves pour qu'ils aillent à l'école est un véritable scandale. Et je ne comprends pas qu'un responsable politique, avec toute la symbolique que porte Martin Hirsch par rapport à la pauvreté, par rapport à l'exclusion, ait l'idée de proposer de payer les enfants pour qu'ils aillent à l'école me semble révélateur de ce qu'il est. C'est-à-dire une peau de hareng. Mais alors, les gens qui sont derrière, alors là, il y a des peaux de banane, il y a des... Ces gens-là sont très bien. Ils n'ont pas, non, aucun d'entre eux, je ne les traiterai de ce qualificatif. Ah, eux, ils sont bien, eux. Voilà. Dans l'échelle des priorités, on redistribue les richesses ou on vire Martin Hirsch? Écoutez, allons à l'essentiel, à l'important et au majeur, c'est naturellement la distribution des richesses. Mais ce sera plus facile de virer Martin Hirsch. Non, mais ça ne résoudra rien du tout. Cette hypothèse-là ne résoudra rien. Et moi, je ne demande pas la démission de Martin Hirsch. Ce n'est pas du tout ça. Non, c'est juste une peau de hareng, quoi, finalement. Vous l'avez dit. Bon, on sort de chez Christine Boutin, mais là, on va rencontrer Martin Hirsch. On va voir ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous lui avez fait à Christine Boutin? Vous avez été méchant avec elle? Non, c'est absurde ça, pourquoi? Parce qu'elle vous a traité de peau de hareng. Oh non, mais écoute, c'est ridicule, mais... moi, je ne traite pas de tous les noms. J'ai juste des désaccords de fond. J'ai eu plusieurs désaccords. Et visiblement qu'elle... qui explique sa vindicte. Peau de hareng, c'est un peu fort quand même. Et, peau de vache, ça aurait été mieux, non? Écoutez, je ne connaissais pas, ça enrichit le vocabulaire. Mais voilà. Ça... Il est fort, ce Nicolas Sarkozy. Il a réussi à faire cohabiter pendant 2 ans au gouvernement des gens qui ne s'aiment pas beaucoup, comme Christine Boutin et Martin Hirsch, par exemple. Heureusement, depuis le dernier remaniement, je suis sûr que tout ça a changé. Désormais, tous les ministres s'adorent. Au moins jusqu'au prochain remaniement.